J'aime pas le casque. Autrement dit, j'en ai point qui me vont, que j'apprécie. Alors, si vous voyez arriver quelqu'un avec un bonnet, c'est moi. Étienne a toujours voulu voler libre. Qui n'a jamais rêvé, qui courait dans un pré, dans une belle pente, dans une belle herbe bien verte, qui n'a jamais rêvé de, à la foulée, de s'envoler et de se libérer de la planète. Toi, tu préfères aller au terrain d'atterrissage du club, hein ? Oui, je pense. Tu l'as repéré ? Oui. C'est bon, disons, on va pouvoir partir. Moi, j'aime bien faire des beaux départs. La simplicité, et puis vraiment le vol. Je me repose en volant. Je suis content d'avoir réussi ce vol. Bah, ça fait un moment qu'on n'est pas volé ensemble. Hein. Super. Voilà, super. Oh, puis le décollage, grandiose. Hein. Celui-là, on le retiendra pour le... On va le garder, celui-là. On va l'envoyer à la Cinémathèque Suisse pour garder le plus beau décollage en parapente que j'ai jamais vu. Ça, c'est sûr. Alors, c'était magnifique. C'était magnifique. Impec, Étienne. J'avais 14 ans quand je l'ai connu, lui en avait déjà 40. J'allais tous les mercredis après-midi avec mon vélo à l'aérodrome de Baie, et là, je voyais déjà voler Étienne Rickner avec son avion. Son avion, il avait un moteur VV, c'était caractéristique comme son. Donc on savait que c'est lui qui arrivait. Et puis, je courais à la terrasse parce qu'il y avait du spectacle, c'était sûr, quoi. Thank you.
nous, la patience était tout le temps, on disait faire du radada. Hein, c'est du rasement, ça c'était interdit. Et moi, je faisais pratiquement toujours du radada. Étienne, ça a toujours été un pilote qui allait voir, qui allait découvrir. Il faisait toujours un petit peu ce qu'il avait envie, comme la voltige. La première fois que tu as fait de la voltige, tu as pris des cours de voltige ou bien tu as essayé de le passer toi-même? Non, bon, j'ai essayé de le faire moi-même, puis ensuite j'ai dû me mettre en ordre. Ah voilà. Tu connais José? Non. C'est le propriétaire des vieux. Bonjour. Ça va? Va bien? Bonjour. Bonjour, enchanté. Étienne Rittner, tu connais? De réputation? De réputation, oui. Ouais, il hantait les garages déjà ici il y a 40 ans, 45 ans en arrière. Il faisait de l'aviation, il avait un type sinipère, il faisait du remorqueur, il faisait du vol à voile, il était pilote de glacier aussi. Disons, pour ce qui me concernait, au moment où j'ai commencé à voler Delta, j'ai pu voler avion. Il y avait un peu moins de commandes, un peu moins de boutons. C'était le retour à la préhistoire. Oui. Mais à la simplicité, puis au sentiment de vol, alors, décuplé, ah, c'est... hein. Oui, c'est toute autre chose. Ouais. Rêvé de devenir pilote. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit, c'est pas des métiers. Je leur en veux pas, hein. Parce qu'alors après, je me suis rattrapé. C'est des beaux souvenirs. La belle époque. Voilà le premier grand vol. Je vais voir les photos de l'accident d'avion. C'est tout au début. Oui, là, on voit. Donc, je suis arrivé tête en bas avec l'avion. C'était incroyable. Le choc a été extrêmement violent. Mais c'est une chose que j'essaie de repenser, c'est qu'en aucun moment, je me suis dit, je suis foutu. J'avais une dent cassée, le poignet cassé, c'est tout. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà, j'ai des centaines de départs de ma village décollé sur le toit. Alors ça, c'est la première aile que j'ai construite. Enfin, j'en ai fait plusieurs pour commencer, mais ça, c'était vraiment l'aile avec laquelle je volais. Dans le panorama grandiose du glacier des Diablerets, de minuscules hommes volants se sont élancés dans des conditions difficiles. Ils remonteront et remonteront encore afin de satisfaire à leur passion grisante, voler, bondir dans les airs avec l'impétuosité de l'aigle. Extraordinaire! Eh, si c'est turbulent! Oh là là! Étienne était le précurseur, il nous a ouvert toutes les voies, il nous a fait des décollages là où on pensait pas décoller, après on le faisait, c'est devenu une routine. Il faisait un virage et il n'y avait jamais une saccade, c'était de la souplesse, c'était anticipé, c'était élégant, il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Il a acheté sa première aile et tout de suite, il a vu qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Il a dit, voilà, la voile, elle phasait, c'est pas bien, il faudrait corriger ça. Elle est lourde, on va trouver des matériaux plus légers, ça doit exister. Et il a fait son premier modèle. Et après, il en a fait sa profession. Il a toujours fait ça un petit peu avec le pif, comme on dit.
mais en allant, en tâtonnant, en allant doucement. Les débuts, c'était vraiment pénible. Je rêvais que j'allais me lancer sur un pré. Et puis, une fois que je me trouvais au sommet du pré pour me lancer, ben, c'était vraiment pénible. Je me souviens, par exemple, le premier vol que j'ai fait depuis le Chamosserre, eh bien, j'arrivais. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus parler avant le départ. C'était un effort extraordinaire, mais je me disais, ça doit voler, j'avais confiance et je partais. Puis, je surmontais toutes les difficultés que je rencontrais en vol. Trois pas dans la neige et aussitôt, le grand vide. Il faut être ingénieux, il faut être aventurier, il faut de l'audace, il faut toutes ces qualités-là pour arriver à faire ce qu'il a fait et surtout à rester en vie et ne jamais se blesser. Magnifique. Parce qu'avant que le Delta existe, avant que l'on sache que ce soit possible, il avait inventé un planeur à bretelles. Gentiment, Claude, gentiment. Tu vas vers le gars, puis moi je vais monter. Tu vois, maintenant, attention. Toi, tu vas être dans sa... C'est le planeur de pente. Hein. Là, alors, j'ai passé beaucoup d'heures. Puis, par exemple, le tout premier, c'était trop lourd. Il a tout fallu recommencer. Disons, je l'ai toujours amélioré pendant 7-8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, bien un peu à droite. Voilà. Alors maintenant, on va mettre le plan fixe. Plan fixe. Voilà, tu vois, Claude, tu avances maintenant, regarde. Voilà. Et puis l'autre ici. L'autre ici. Là. Maintenant, la goupille. Attends, je vais faire le contraire. Voilà, tu pars comme ça. Alors, avance un peu comme ça. Faut que j'enlève encore celle-ci, Claude. Voilà, bouge pas. Voilà. Passe-moi la goupille, Étienne. Ouais. Elle est où? Ici. Merci, c'est bon, je l'ai. Une question de dixième de millimètre. Je veux pas aller à l'autre bout. Attends. Je vais plus loin. Attends, bouge pas. Il arrive de là. Voilà, c'est comme ça que je suis en... Comme ça, c'est bien. Là, c'est bon. Là, ça va pas te coincer. C'est bon. Ouais. D'accord. Il y a le vent qui me gagne. On peut tout faire à la main parce qu'il est léger. Tu vois. Oui. Là, il vient comme ça. Là, il va se mettre en butée. Voilà. Ouvrir le capot. Donc toi, on est mieux assis que dans tes harnais que tu avais à l'époque. Hein. On va se mettre face à la pente. Est-ce que ça passe derrière? Tu tiens l'équilibre, c'est tout. Hein. Oui. On a connu Étienne avec ses engins. C'était un petit peu l'original. Étienne, à l'époque, il avait toujours la nouvelle machine, le nouveau truc. Donc il était, pour moi, une icône, déjà. C'est grâce à lui que tout s'est développé, parce qu'il a fallu des gens qui montent sur ces premiers appareils. Ils ne savaient pas comment ils volaient. Que moi, ce que je vole, il y a des ingénieurs, des ordinateurs qui ont tout calculé. Le premier vol, il était impeccable. Donc ça a plus autant de mérite que ce qu'ils ont fait à l'époque. Voilà. Toi, elle vole toute seule, elle est déjà légère, elle est là. Voilà, tu peux lâcher et poser par terre.
Voilà. Regarde, ça c'est le plan horizontal. Tiens, ouais. tu peux le tester. Tu le prends par le haut là. Tu regardes le poids que ça fait, c'est rien. Hein. Zéro. C'est zéro. Enfin, pas zéro, mais je crois qu'il y a à peine un kilo. Ouais. Et c'est monté. Une pièce, t'as vu? Ouais. T'as vu, il y a des similitudes avec ton premier planeur de pente. Hein. Il y avait des deux ailes, un fuselage, un empennage arrière. Il y avait déjà ça. Ouais. Il y a très longtemps en arrière. Bon, reviens à ça, tu vois, finalement. Tant mieux. Il a bien fallu commencer par toi. C'est grâce à toi que maintenant on a ça. Hein? Bien sûr, il y a eu un début. Quel changement. Ben, tu vois, moi j'en profite. Ah, oui, t'as commencé, moi j'en profite maintenant. Ouais. C'est super. Je t'admire. Je trouve ça merveilleux. Et ce serait plus pour moi, quoi. Non, mais c'est extraordinaire. Tu vois, là, je rentrais depuis la France. On voulait voler au bord de l'Atlantique. Et puis, les conditions étaient trop fortes. Alors, en rentrant, je me suis dit, je pensais faire le vol du Salève. Et ça s'est très bien passé. Ah ben, dis donc, t'allais jusque vers l'Atlantique pour voler, toi? Ben oui. Hein? Ben oui. Bon. Ah ben, voilà ta célèbre chenillette, là. Oui, super. Ah non, dis. Ça fort, ça vient très bien. J'entends encore le bruit quand tu descendais là, au cernier. Je suis content de le revoir, là. Ah ben, je crois, hein. Oui. Tu te souvenais plus tant de ce qu'il y a. Non, mais tu vois, question de décollage. Ouais. C'était bien, c'était sympa. Ouais. Et voilà. Et puis tu arrives au final. Oui. Ah, tu as encore un petit virage, là, pour centrer ton axe. Il s'incline automatiquement. Ouais, ouais. Et voilà. L'approche, la finale. Pas de problème. Et clac, posé, tip-top, en ordre. Ouais. Ouais. Ah, t'es un beau type, toi, quand t'étais jeune, hein? Et toi? Encore maintenant. Et il finit de courir après, là, hein? Je sais pas moi, je l'ai pas remarqué. Mais je crois que c'était à cause de la coupe de cheveux. Sûrement. Hein? Ouais. Etienne. Etienne, c'est mon meilleur copain. Et puis tous les jours, on se téléphone, on se voit, on vole ensemble. Et puis voilà.
Bon, alors moi je vais mettre ma voile ici. C'est une jolie place ici. Alors ça fait 163 ans entre lui et moi. Quand on va sur des sites et que personne ne nous connaît, c'est une fois à Maubourget, là, au Jura, il y avait une école qui était là-bas. Ils nous voient y arriver avec nos sacs. Puis, ils nous regardent tous comme si on tombait de la lune. Hein. Et puis ils disent, vous volez toujours? Je dis, ben pourquoi? C'est seulement réservé aux jeunes. Tant qu'on peut courir, il n'y a pas de problème, hein. Étienne, lui, il aime bien être le dernier, le premier à décoller et le dernier à atterrir. Il aime bien rester en l'air le plus longtemps possible. Il a 7 vies, comme les chats. Parce que avec tous les trucs qu'il a eus, qu'il m'a raconté, ben, il aurait pu se casser la figure propre en ordre plusieurs fois. Oui, oui, j'ai une bonne étoile. Quand je suis mal pris de mauvaises conditions, croyez-moi, je prie pas, mais je dis merci. Aïe, 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 aïe. Comment ça a été, Claude? Je me suis fait choper par le vent, là, dans une pipe. J'ai passé à ras la baraque. Ici. Ah ouais, ouais. T'as vu, moi, je venais en parachute, hein? Ah ouais. Alors? Mais bon, j'ai fait le tour, j'ai fait un tour, trois. Ah ouais. Puis dans une pipe, tout à l'heure, je commence à parachuter. J'ai dit, ça y est, je vais me choper le toit de la baraque. Puis j'ai juste levé les bras, et puis j'ai passé juste là. J'arrivais juste au bout du terrain. Alors, on va essayer de se désarnacher. Oui, ben toi, Claude, ça a bien été, finalement. Ouais, ouais. Hein? Ce matériel, ça fait plus de 20 kilos. Physiquement, je sens quand même la différence, hein. Mais je gardais la bonne forme. Je volerai le plus longtemps possible.